Bonjour à tous, alors nous avons ici une calculatrice de bureau très pratique parce que d'abord vous voyez c'est un grand format avec une capacité d'affichage de 12 chiffres. Alors au niveau de l'ergonomie, déjà les touches sont grandes, très bien faites, ça c'est agréable. En dessous vous avez des pieds antidérapants ici et vous avez également un pied rabattable qui vous permet d'augmenter l'inclinaison. Ce qui est très pratique sur un bureau, puisque vous aviez le poignet qui repose bien sur le bureau et les doigts bien sur les touches. Donc ça, c'est au goût de chacun. Ensuite, vous avez donc des fonctions de taxes. Hein. Si par exemple, je rentre un montant hors taxe de 10 euros, j'ajoute la taxe, je monte à 12, parce que j'ai rentré bien sûr une taxe de 20%. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez rentrer 30%, vous faites 30, 7 et taxes. Et vous aurez un montant de 30%, donc il est facile de changer la taxe. Si je reviens sur la taxe, on voit qu'elle est 2 euros, etc. Donc vous voyez, c'est une machine qui répond très bien. Ici, vous avez le réglage de l'arrondi. Alors ça ne fonctionne que quand vous avez mis des décimales après la virgule, sinon vous avez un chiffre avec autant de chiffres après la virgule que disponible sur l'affichage. L'arrondi ici, j'ai mis deux chiffres après la virgule, donc c'est-à-dire si je rentre le chiffre 5, que je fais égal, il met mes deux chiffres. Donc dans les calculs, il va tenir compte de l'arrondi. Ici, je suis à la valeur inférieure, valeur supérieure au 5 quarts. Voilà. Donc une machine que je trouve très pratique. Deux sources d'alimentation, la batterie intégrée et le petit panneau solaire qui est là. Ce qui est très pratique, ça nous permet de fonctionner tout le temps en fait.